toute personne, je veux dire, d'un minimum de bon sens aurait compris que cela n'avait rien à voir avec M. Ndongo. Un premier ministre qui est lui qui arrive et dès les premiers jours se rend compte qu'il n'y a rien, il ne peut pas payer les salaires et il se frotte les mains en disant ben, c'est un gouvernement incompétent. C'est qu'à ce moment-là, c'est une situation qui est liée, effectivement, disons, au régime qui a précédé par celui qui venait d'être élu. Je passe à l'étape de 97. Oui, mais pendant que vous allez passer à l'étape de 97, vous avez dit tout à l'heure pour Denis Sassou Nguesso, le Congo est un butin de guerre. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris, est-ce que c'est pour dire qu'il n'avait jamais digéré le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué? Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement illustrer l'expliquer. Vous n'avez jamais digéré le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué? Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement illustrer l'expliquer pourquoi je dis que c'est un putain de guerre. Bon, M. Sassou Nguesso, donc, revient en 97 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive... au-delà, effectivement, de toute la propagande, toutes les justifications. Non, on sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97. Il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois. Il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce qu'au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus. Et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces, rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il ne l'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là deux éléments, les deux premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils m'ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. Il y a juste raison. Les Congolais ont toutes les raisons de détester parce qu'on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97, s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les deux éléments qui démontrent. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, ils considèrent le Congo comme un butin de guerre à partir de 97. C'est une possible condamnation pour Denis Sassou Nguesso et son clan. Eh bien oui, les affaires de bien mal acquis des Sassou et des Nguesso, ici en France et dans l'espace France-Afrique, seront bien entendu au cœur des enjeux diplomatiques, économiques, commerciaux, géopolitiques et géostratégiques entre le Congo et la France. Au regard déjà des enjeux du contentieux historique entre la France et le Congo, et notamment celui de 1997 à nos jours, où le capital décès de Sassou Nguesso avoisine déjà les 400 000 morts. La violence, alors ce sont ceux qui ne se sont jamais blessés à la langue et donc qui ne connaissent pas le goût du sang. Alors nous allons... Combien? Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon.
Sarah Sabla 20 ans, c'est tout. Ou vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, faut pas critiquer au fond parce que c'est trafant à mouche pour venir écouter ce métier. L'épuration, elle est nécessaire d'abord parce qu'il y a un impératif de justice. Il est absolument intolérable, il est absolument insoutenable d'imaginer que le policier qui vous a torturé, que le magistrat qui a envoyé votre mari ou votre père à la mort puisse se promener tout à fait paisiblement dans les rues de la ville comme si rien ne s'était passé. Au moment de la libération, on commence à voir en France, notamment la part de Maquis, des exécutions sommaires de miliciens, de gendarmes, de policiers, donc de gens qui luttent de certaine manière contre les résistants, mais aussi on exécute ici ou là des commerçants, des épiciers, des gens qui ne veulent pas collaborer avec la résistance. Bon, il y a déjà un certain nombre de phénomènes qui seront ceux qui marqueront l'épuration dite sauvage.